Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis du what the fuck, du leak, du méga what the fuck, hein, du leak de commandant légendaire, de skill de commandant légendaire et des petits rapports et des stats des familles, c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les leaks, les tutos, bref, tout est sur le Discord et même bien plus encore. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais ça fait bien, alors on le place. Les amis, commençons par du what the fuck. Alors parfois, je ne comprends pas Lilith, parfois ils vont tellement loin dans le futur qu'on ne sait même pas ce qu'ils veulent nous passer comme information. Et ils nous ont sorti une vidéo, celle-là est magnifique, qui n'a strictement rien à voir avec le jeu. Je vous la partage si vous ne l'avez pas vue. Vous allez voir, c'est de toute beauté. La vidéo a été partagée sur le, sur le Twitter officiel et sur le YouTube officiel de ROK, hein, de Lilith, hein, et on se retrouve avec une vidéo où on y voit deux joueurs, des personnes irréelles, hein, on est dans la vraie vie, là c'était évidemment pas de la synthèse, on est dans la vraie vie et ils vont nous parler de quoi? De deux joueurs dont un français, celui de gauche hein, est un joueur français, je crois que la dame est australienne, où ils se sont rencontrés in-game et ils vont nous raconter voilà le fait qu'ils se sont rencontrés en jouant à ROK et que tout ça a abouti sur un mariage. Alors franchement je ne vois pas du tout pourquoi Lilith nous parle de ça. Personnellement vous allez dire que je suis un gros bâtard peut-être, mais je m'en contrefous d'une puissance légendaire et je ne comprends pas pourquoi une entreprise qui fait du jeu vidéo, si ce n'est pour combler du vide, elle n'a rien à nous dire à part nous sortir encore et encore et encore des trucs pour les méga baleines et mettre en place un système pour nous prendre encore plus d'argent. Pourquoi ils nous racontent ça? On s'en cogne de ouf. N'hésitez pas les amis en commentaire à me donner votre avis sur ce genre de storytelling. Je l'ai déjà vu dans d'autres jeux, mais rarement sur des jeux qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire qui sont dans une grosse croissance. Je n'ai jamais vu ce genre de choses sur Fortnite, par exemple, pour citer les grosses licences, sur Call of ou sur d'autres styles de MMO, de jeux, de stratégie, de STR. Je l'ai déjà vu il y a très longtemps sur World of Warcraft hein, et je ne sais même pas si c'était des vidéos officielles de Blizzard à l'époque, hein, Blizzard Activision. Maintenant, je ne sais pas si ça se fait encore. Dites-moi vous aussi en commentaire si vous l'avez déjà vu ailleurs ça. Mais en tout cas, quand je vois ce genre de choses, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on s'en bat les dents de ouf et qu'ils cherchent juste à combler leurs lacunes ou combler ce qui se passe réellement et dont ils ne veulent pas nous parler. Notamment la désertification de certains serveurs, on va y revenir, de certains joueurs et la baisse de dynamique, de dynamisme du jeu avec toujours un leitmotiv, hein, nous prendre plus de mailles car il y a moins de joueurs donc il faut prendre plus à ceux qui restent in-game. N'hésitez pas les amis à me dire votre avis en commentaire. On passe à présent à ce petit leak des familles, je ne sais pas d'où ça sort et on le voit un petit peu partout commencer à, aujourd'hui ça a commencé cette nuit, à pointer le bout de son nez le petit skill de Lapu-Lapu. Regardez, on va le regarder en chaîne. Encore une fois, je ne sais pas comment nos amis chinois ont fait pour récupérer cette animation de skill. C'est l'active skill, hein. Il est rappelé dans le descriptif en chinois, je pense que c'est du chinois. Et regardez, on voit bien, je me posais la question quand je vous le présentais, les skills hier, si c'était en arc de cercle hein, ou en éventail. Bon, c'était 5 cibles, pour moi c'était forcément en arc de cercle. Et là on le voit, oui c'est bien en arc de cercle, hein, c'est son skill, il est tout autour de lui. Il met un coup d'épée pour un commandant leadership, hein, c'est assez étonnant comme skill, hein, mais c'est plutôt pas mal. L'animation est sympa. Alors c'est pas une dinguerie et vous verrez, hein, j'espère qu'elle sera mieux faite que c'est qu'une version bêta, parce que en termes de qualité elle est pas dingue du tout cette animation, mais au moins on l'aura vue. N'hésitez pas aussi les amis à me partager votre avis. Personnellement par exemple, hein, celle d'YSG qui a maintenant 5 ans est bien mieux de mon point de vue, celle de Liuchi, celle de Gorgo sont également d'une meilleure qualité. Les amis, continuons et parlons à présent du 24-29, hein, l'énormissime royaume 24-29, qui est un royaume bien évidemment déjà très haut niveau, mais qui va continuer à monter. Je vous en parlais également hier, hein, le 24-29 avec les S2S, hein, qui finit son KVK, qui a littéralement détruit le 1875. Hein, et j'ai quelques petits rapports intéressants, hein, au moment du pic des confrontations à vous partager. Je sais que vous aimez les rapports les amis, moi aussi j'aime bien les rapports entre les dramas et les gemmes qui sont la base de la base, hein. Évidemment les rapports ça fait aussi plaisir avec des petits leaks. Et bien regardez des attaques de flag, hein, les SV68 qui affrontaient les S2S sur la deuxième zone très précisément, et on le voit, il y a quand même eu le S2S ont quand même pris pas mal dans les dents, même si évidemment le cumul c'est eux qui ont bien drivé, puis ils ont gagné KVK, hein. Regardez, hein, Peppa Pig Q8, hein, il a pas un Q7, il a carrément un Q8 Peppa Pig, hein, il se met bien avec sa franchise de dessin animé. Regardez, si on regarde juste le total en haut qui était partagé, hein, le data summary, on voit 4 864 846 000 morts d'un côté, 10 727 de l'autre. On a un petit détail en face, hein. On sait que c'est Gorgo, Constantine Ier qui était en défense sur un flag. Une défense intéressante. Il y a peut-être différentes défenses intéressantes. Celle-là, oui, on a différentes. Celle-là est bien, elle est solide face à Nevsky Justinian, même si de mon point de vue, on pouvait faire un petit peu mieux. Ils ont mis ce qu'ils avaient peut-être à ce moment-là, même si Peppa Pig, normalement, a tous les commandants au max, hein, vu la baleine que c'est. Et on a Nevsky Justinian Ier face à eux. Et sur ce premier tour, hein, 4 105 000, donc sur les 4 800 000, 4 105 000 étaient dans le flag. Nevsky sur les 10 700 000, lui se rallie et comme il était renforcé, il a pris 8 182 000, donc pareil, hein, plus de 80% des skills, hein, sont du côté du rallye et du renfort, hein. Le PJ Rib, il s'est bien fait déboîter sur ce premier rapport. Regardons le second rapport à présent, on a toujours Peppa Pig en défense de ce flag, le même flag, hein, 613-650 les positions, et cette fois il est face à un rallye d'un AM68 SVPM. Et on a Henri V avec Nabucodonosor II, là c'est intéressant, Gorgo, Constantine Ier, toujours ça tient. Et là, l'addition, elle est plus sec, elle est plus salée. On a 798 000, autant dire 800 000 morts du côté de Peppa Pig, du côté des S2S, hein, du côté de leurs adversaires, les M68. Là, c'est sec, pratiquement 3 millions de morts en termes de blessés légers. Hein. Pareil, kill point, regardez, c'est intéressant. 52 millions de kill points gagnés sur l'opération, c'est énorme, hein, 19 millions de l'autre côté, hein, ce qui montre à quel point ils sont bien faits déboîtés. Et Henri V sur le rallye principal, lui, il a plus de la moitié, il a plus de 60% des morts sur ce rallye, 1 943 000, 2 millions, hein, donc 2 tiers du total. De l'autre côté, Gorgo, Constantine, 452 000. Hein, on est à un petit peu plus de la moitié également. Ce qui montre encore une fois, hein, qu'au tour, ça a bien contre-rallye. Ça a bien pris cher. Et juste cette première défense a pris 34 millions des 52 millions. Franchement, là, les mecs, ils se rincent de ouf en kill point. Hein. Ils ont pris quand même, hein, des blessés graves. 258 000 au total. Les blessés graves, c'est toujours relou parce que ça coûte des ressources, hein, pour soigner. Moi personnellement, je préfère prendre des morts que des blessés graves parce que en termes de ressources, c'est long, en termes d'accélérateur, c'est long, c'est cher, ça demande beaucoup d'accélérateurs et ça bloque les hôpitaux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention et choisir son camp et le moment où plus investir dans le jeu et quel type de bundle investir. Encore une fois, hein, si vous avez trop d'argent. On passe sur le troisième et dernier rapport que j'ai. Peppa Pig Q8 toujours. Et cette fois face au SV68. Hein, It's Ark. Hein, Peppa Pig toujours le leader en défense de flag. Gorgo, Constantine. On ne change pas une équipe qui gagne. On a à peu près le même ratio que le rapport précédent, 560 000 morts, 561 000. Si on arrondit 1 223 000 hein, en face, là c'est simple. Il a pris tarif, il a pris du simple au double. Il s'est bien fait déboîter, 183 000 blessés graves, ça reste acceptable. 7 millions 3 de puissance perdue d'un côté, 8 millions 100 de l'autre sur le rallye principal. Alors pourquoi a-t-on un écart aussi faible alors qu'on a autant de morts d'écart? Alors déjà, il faut savoir, hein, Henri V, hein, Ashurbanipal, c'est déjà plus solide. En attaque, c'est très solide. Mais regardez le nombre de morts, on a 556 000. Pour la défense de Gorgo, 1 105 000 pour l'attaque de Henri V Ashur. C'est très simple, il suffit qu'il y ait majoritairement des T4 dans le rallye des SV68 et majoritairement, si ce n'est intégralement hein, des deux côtés, hein, des S2S notamment, des T5 et on va se retrouver avec un ratio de morts qui va du simple au double et un ratio de puissance perdue qui va aussi du simple au double. Explication numéro 1, explication numéro 2, qui est en fait c'est un mélange de tout ça, hein, les explications. L'explication numéro 2, c'est les blessés graves. Les blessés graves, si c'est des T5 par exemple, et eh bien c'est pareil, les 183 000, ça va nous donner presque 2 millions de puissance de perdu. Et eh bien ça explique également l'écart. Si on enlève les blessés graves, on se retrouverait par exemple à 5,3 millions d'un côté, à 8,1 millions de l'autre, parce qu'ils prennent que des morts, le rallye en attaque. C'est ce qui explique aussi cet écart. Donc un petit peu plus de T4 d'un côté, des blessés graves de l'autre quand il n'en a pas sur l'attaquant. C'est aussi simple que ça, les explications. Après, il y en aurait peut-être d'autres. N'hésitez pas en commentaire à donner si vous voyez d'autres explications que j'aurais oubliées. Moi, je ne vois à ce stade et avec ce niveau de détail que celle-là. Les amis, passons à présent au KVK du 1093 où on attend impatiemment l'ouverture des portes de niveau 7 pour avoir un premier fight du 1960 avec le 1093. Et regardez, un joueur a partagé ce petit tableau du domaine 1-1 qui montre, du domaine 1 tout court et pas 1-1, le max power level 25 hein, pour les 1093, le 1093 et le 1960, les deux sur le domaine 1. Et regardez, la puissance du domaine 1 du 1093, 54 millions de l'autre côté, plus 4 millions pour... 54 millions, n'importe quoi. 54 milliards que je recompte, 54 milliards, non, on est sur 789, 168, on est sur 54 milliards de puissance, évidemment, et non pas 54 millions, on le voit, 66 milliards en haut. Juste un arrondi qui a été fait, 48,6 milliards pour le 1960. Et regardez, hein, en nombre de joueurs, on en a 901 d'un côté, 899 de l'autre. Alors comment ils ont fait pour avoir cet écart? Je n'en sais rien du tout. Hein. Si on enlève pour eux, les gouverneurs de farm, on est à 21,5 milliards d'un côté, 21,5 milliards de l'autre également, 261 non-max farm, hein, de farm non maxé, 599 de l'autre, ce qui montre que le 1961 a bien des ressources en stock. Et donc, si on fait le total du 1960 domaine 1 et du 1093 domaine 1, eh bien, il y a d'un côté 21,6 milliards, de l'autre 25,7 milliards. Il y a donc un rapport positif pour le 1093 de 4 milliards. Alors, c'est pas énormissime, mais au final, ça peut faire la différence. On sait quand même hein, que le 1960 ne lâche rien. Ils ont fait, il y a deux KVK, ils étaient sur le point de perdre et finalement, comme ils n'ont rien lâché jusqu'au bout du bout, ils n'ont pas perdu, ils ont même carrément gagné. Et donc on le sait, il va falloir se méfier. On attend impatiemment ces portes et ces ouvertures de niveau 7 et surtout l'ouverture des terres du roi. J'espère sincèrement que le 1093 va gagner. On finit les amis avec les tout nouveaux KVK qui ont pop et plus particulièrement Un phénomène qui pour moi est inquiétant. Je vous ai parlé de mon KVK qui vient de Pop, hein. Vous le savez, on se retrouve à Watt 1000 dessus sur la liste de Mon Royaume Perdu, le C1-21-53, on est 24 et je me suis dit, ça me paraît bizarre qu'on soit autant à être inscrit là-dessus, sur Heroic Anthem, combien hymnes héroïques, combien d'autres royaumes sont inscrits et sont aussi nombreux que nous. Qu'est-ce que ça signifie avoir autant de royaumes? Ça veut dire énormément de royaumes avec une très faible activité et ou de royaumes morts. Plus il y en a sur cette session, plus ça veut dire que c'est des royaumes inscrits automatiquement au bout de 4 KVK zappés. Et donc on se retrouve avec de plus en plus de royaumes morts ou semi-morts ou inactifs, faiblement actifs, appelez ça comme vous voulez, sur ROK. Donc regardons, je suis le C1-21-53, j'ai regardé le C1-21-54. Eh bien ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ils sont eux à 28 royaumes. Vous pensez bien qu'un KVK avec 4 camps et 28 royaumes, c'est du KVK super mort comme le mien. Donc on est de pire en pire. Ça fait déjà ce KVK là plus le mien, on est déjà à 52 royaumes qui sont avec une très faible activité. Regardons le C1-21-52. Et bien pareil, 2, 4, 6, 8, 10... 12, 24 royaumes, tout comme mon KVK, hein, 24 royaumes encore une fois, avec une activité très faible. Et ça vient de commencer, on est en pré-KVK sur ce groupe-là. C1, 21, 51, pareil, on se retrouve avec 2, 4, 6, 8, 10, 20 royaumes encore une fois, avec de l'activité plus faible. C'est vraiment significatif, symptomatique. Il faut que Lilith se réveille, nous sorte davantage de contenu et arrête de focus sur les baleines et les bundles au risque d'avoir un lot de plusieurs centaines de royaumes morts. Alors après, on repasse au 21-50. C'est pareil, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 20 royaumes sur ce KVK. On continue, 2, 4, 6, 8, 16 royaumes. Là, ça commence un petit peu à aller mieux, notamment avec le 1188 qui est un royaume à la faible activité, mais tout de même avec un petit peu d'activité. Et puis on va rentrer dans des choses un petit peu plus normales, ça diminue le nombre, vous savez il n'y a aucun impérium là-dessus, donc on continue de regrouper, on se retrouve avec des 6, on se retrouve avec des situations plus standards sur la suite. Ceux-là ont déjà commencé, ils ne font pas partie de la même session, ils ont déjà 2 jours, on s'arrête au C1-21-45. N'hésitez pas à me dire si vous êtes sur l'un de ces royaumes et à confirmer la faible activité de vos royaumes, car en tout cas, moi, j'ai regardé sur les classements, tous ces royaumes-là sont vraiment des sites C et des D, et encore une fois, ils n'ont pas l'air, tout comme mon royaume, d'être d'une grande activité. C'est rare, c'est la première fois que je vois autant de KVK en hymne héroïque, hein, à se partager si peu de territoire, 28 pour 4 par exemple, et surtout autant de KVK qui pop en même temps, avec autant de petits royaumes inactifs. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROK.